On trouve une femme dans le stationnement d'une église. Le tueur n'a laissé aucune arme ni indice. L'enquête d'un suicide prend soudainement une tournure inquiétante. Pourra-t-on prouver qu'il s'agit d'un homicide grâce à un appareil photo? L'incendie d'une pension pour personnes âgées cause la mort de 15 personnes. À l'aide de seulement quelques photographies, le coroner mettra 6 ans à prouver que la tragédie n'était pas accidentelle. Les photographes judiciaires conservent sur pellicule des données importantes qui ont échappé à l'œil nu. Les nouveaux détectives peuvent dès lors recourir à ces indices photographiques pour établir la preuve. En mars 1989, à Fairfax County, en Virginie, un homme téléphonait à la police pour signaler qu'une femme était tombée sur le pavé glacé du stationnement de l'église. De retour au poste, l'agent de police rédigea son rapport. La femme n'était pas tombée accidentellement, elle avait été assassinée. Au quartier général de la police, le photographe judiciaire Jeff Miller savait que la nuit à venir serait longue. Il prit son matériel et partit rejoindre les enquêteurs qui se réunissaient sur la scène du crime. Miller est photographe depuis 18 ans pour la police de Fairfax. Au cours de sa longue carrière, il a examiné quantité de scènes de crime à travers sa lentille. Il est en quelque sorte l'œil de la justice et ses photos en sont la mémoire. Les enquêteurs arrivèrent au stationnement et mirent au point leur stratégie. Le détective Ed Guckenberger menait l'enquête. L'équipe recueillait les indices. Tous comptaient sur Miller. Grâce à son appareil photo, les experts pourraient réexaminer les indices tels qu'ils les avaient trouvés sur la scène et peut-être trouver la piste qui les mènerait au meurtrier. On tente de capturer l'essentiel de la scène du crime. On doit fournir à la cour une vue exacte de la scène telle qu'elle s'est présentée à nous. Miller dressa d'abord un plan de la scène. Les premiers indices étaient simples, mais témoignaient d'une violence évidente. La victime gisait sur le dos dans une mare de sang. Elle avait reçu plusieurs coups de feu et avait été tuée d'une balle dans la tête. Pas très loin de son corps, on retrouva son sac à main intact. Le vol n'était donc pas le mobile de ce crime. Malgré l'obscurité, Miller commença par prendre une vue d'ensemble de la scène. Pour ne perdre aucun détail, il recourt à une technique spéciale. L'appareil photo est posé sur un trépied. L'obturateur demeure grand ouvert, mais un assistant recouvre l'objectif de l'appareil. Miller se déplace au bord de la scène à photographier. Chaque image de la pellicule est exposée à la lumière du flash à plusieurs reprises, jusqu'à 24 fois pour une même scène, selon un angle à chaque fois légèrement différent. Voici la photo qu'obtint Miller. Les lumières vives ressemblent à des lampadaires, mais il s'agit en fait du reflet du flash. Même s'il tenait le flash dans sa main au moment de la photo, Miller n'apparaît pas dessus parce qu'il se trouve derrière la lumière. Contrairement aux indices qu'il capture sur pellicule, il reste invisible. Après avoir pris un plan d'ensemble, il photographia chacun des détails de la scène. Miller se rapprochait de plus en plus de la victime. Puis il photographia ses blessures et la position de son corps. Il découvrit ensuite des traces de pneus sur le sol ensanglanté près de la victime. On envoya des agents suivre ces traces. D'autres experts restèrent sur les lieux pour poursuivre les recherches.
Miller trouva ensuite deux douilles de projectiles. Le témoin qui avait appelé la police avait garé sa camionnette à cet endroit précis. Miller photographia ces indices sans faire déplacer la camionnette pour laisser la piste intacte. Pendant que le photographe cherchait d'autres indices, les agents revinrent de leur recherche dans les environs. Ils avaient trouvé une voiture abandonnée à environ un pâté de maison. Ils firent les vérifications d'usage. L'auto appartenait à la victime. L'endroit où se trouvait l'auto devenait une deuxième scène de crime. Miller photographia cette nouvelle scène sous tous ses angles. Il espérait découvrir comment le corps de la femme s'était retrouvé à une telle distance de son véhicule. Miller procéda de la même façon que dans le stationnement. Il commença par photographier la scène à distance, puis il fit des plans rapprochés. La vitre de la portière de gauche avait été fracassée. Il y avait des fragments de verre à l'intérieur de la voiture. On retrouva une cartouche dans la neige du côté gauche de la voiture. Une balle s'était logée dans une moulure de plastique. De l'autre côté de la voiture, Miller trouva un nouvel indice. Sur la mince couche de neige, on pouvait discerner une empreinte de pas, trop grande pour provenir de la victime. Les experts judiciaires auraient du mal à faire un moulage de cette empreinte. Mais ils devaient agir vite, car elle disparaîtrait dès le lever du soleil. Miller se dépêcha donc à prendre quelques photos pour conserver ses indices. On peut prélever l'empreinte à même le sol quand il est gelé et la conserver à une certaine température. Parfois cela fonctionne, d'autres fois non. Il y a également des produits chimiques que l'on peut vaporiser pour aider à sa conservation. Mais tout compte fait, la photo demeure la preuve la plus fiable et la plus fidèle à l'original. On se mit à la recherche d'autres indices dans le quartier. Un agent découvrit une voiture abandonnée à environ un kilomètre du stationnement de l'église. Apparemment, la voiture avait dérapé et abouti dans un fossé. Cette seconde voiture devenait la troisième scène de crime au cours de cette nuit mouvementée. Il s'agissait de trouver comment elle était reliée aux deux autres. Sur la banquette, l'agent aperçut un holster de cuir. Il vérifia les plaques d'immatriculation. Par une étrange coïncidence, le propriétaire était un voisin de la victime. À l'aube, Jeff Miller examina de nouveau le stationnement de l'église. Il espérait que le soleil jetterait un nouvel éclairage sur les lieux. La neige avait fondu. Nous voulions vérifier l'asphalte et nous assurer que nous avions recueilli tout ce qu'il y avait à trouver. Il n'était pas question d'omettre quelque chose. Une fois que nous avons quitté les lieux, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Ses efforts ne furent pas vains. Il découvrit des fragments de verre que la neige avait dissimulés. Si ces fragments provenaient de la vitre brisée de la voiture de la victime, cela signifiait que la voiture se trouvait dans le stationnement au moment du meurtre. Il y avait également un projectile à l'extrémité du stationnement. Des analyses confirmèrent ultérieurement qu'il était identique à celui qui avait été trouvé dans la voiture de la victime. Pendant que Miller examinait le stationnement, Ed Guckenberger se mit en route. Son premier arrêt fut la maison de la victime. Lors d'un homicide, les membres de la famille sont les premiers suspects. Lorsque je frappe à une porte, je dois rapidement me faire une idée du type de personne qui me répond. Dans ce cas-ci, c'était un mari en robe de chambre. Je l'avais réveillé.
Il m'a dit que sa femme aurait dû rentrer à la maison après sa réunion à l'église. Quand on est enquêteur d'homicide, il nous faut décoder les gens et juger s'ils sont sincères. Rien dans le comportement de ce mari n'indiquait qu'il était impliqué dans le meurtre. Comme les policiers avaient le sentiment que le mari de la victime n'était pas l'assassin, ils suivirent leur seconde piste. Ils n'eurent pas à aller très loin. Le propriétaire de l'autre véhicule vivait à deux maisons de la victime. La police le connaissait déjà. L'enquête entourant le meurtre d'une femme dans le stationnement d'une église avait débuté 10 heures plus tôt. Jusqu'à présent, le détective Guckenberger n'avait pas encore trouvé de suspect. Sa seule piste menait au propriétaire de la seconde voiture découverte. L'homme en question s'appelait Gary Asa Donahue. Ed Guckenberger lui demanda de se rendre au poste pour l'interroger. Les membres du gang de motards de Donahue avaient coutume de l'appeler « Redneck ». Les policiers le connaissaient à cause de ses antécédents judiciaires. Donahue déclara à la police qu'il était sorti boire un verre la veille. En rentrant chez lui, il avait constaté que son chien s'était enfui. Il avait donc circulé en voiture dans les environs pour tenter de le retrouver. La chaussée glissante lui avait fait perdre le contrôle de sa voiture qui avait abouti dans un fossé. Comme il était incapable de sortir son véhicule de là, il était rentré chez lui à pied. Selon le trajet qu'il avait parcouru, il était censé être passé devant la voiture de la victime, mais il déclara qu'il ne l'avait pas vue. Quant au holster découvert dans son véhicule, il affirma qu'il appartenait à l'un de ses amis et qu'il n'avait pas l'arme qui allait avec. Toute cette histoire était douteuse. Les policiers demandèrent à Donahue de leur remettre sa veste et ses bottes. Peut-être que ses effets personnels raconteraient une autre histoire. Donahue accepta sans opposer de résistance. Dans la chambre noire, Miller développait l'indice le plus prometteur. Jusque-là, sa participation à l'affaire s'était limitée à prendre des photographies de la scène sous le plus grand nombre d'angles possible. Maintenant, il mettait ses connaissances à profit pour trouver des éléments de preuve. Grâce à la règle posée à côté de l'empreinte lors de la prise de la photographie, Miller put tirer une épreuve grandeur nature. L'empreinte d'une semelle peut être aussi révélatrice qu'une empreinte digitale si elle est assez nette. Miller était satisfait de son cliché. Aucun détail ne manquait. Avec cette photo, il pourrait comparer l'empreinte à celle des bottes d'un suspect. Miller envoya la photographie au laboratoire judiciaire pour la comparer aux bottes de Donahue. Les experts commencèrent par examiner la grandeur des bottes. Si les photos différaient de quelques millimètres seulement, on ne pourrait jamais établir de correspondance. Ils examinèrent ensuite attentivement le motif de la semelle pour vérifier s'il était identique à celui qui apparaissait sur la photo de Miller. Jusque-là, tout concordait. À présent venait le moment de vérité, déterminer les caractéristiques physiques du sujet à qui appartenait la botte. Pour ce faire, on doit procéder à un examen minutieux des traces d'usure. Chacun a sa propre façon d'user ses souliers. Cela varie en fonction de la taille, du poids, de l'ossature et de la démarche. Cela dépend aussi du fait que l'on marche les pieds vers l'intérieur ou l'extérieur, sur les talons ou les orteils. Donahue avait inséré une semelle à l'intérieur d'une de ses bottes. Cette semelle avait contribué à rendre l'usure unique et laisser une sorte de signature. Enfin, les techniciens comparèrent les bottes et les photos pour y déceler toute trace particulière. Dans ce cas-ci en particulier, il y avait certaines marques, certaines coupures ou détails dans le motif de la semelle que l'expert a pu identifier à la fois sur la photo et sur la botte. Il a pu conclure formellement que seule cette botte avait pu laisser l'empreinte. Donahue s'était donc trouvé près de la voiture de la victime. Cela en faisait le principal suspect. Grâce aux photos de Miller, Guckenberger pouvait continuer à aller de l'avant.
Dans des cas comme celui-ci, les photos sont très importantes. Sans la photographie de l'empreinte, nous n'aurions disposé que des projectiles. Quelqu'un peut posséder une arme, mais cela ne prouve pas que c'est lui qui l'a utilisée. Par contre, on sait qu'une personne porte toujours ses propres bottes. Les experts examinèrent la veste de Donahue à la recherche de fibres, de cheveux ou de n'importe quoi qui démontrerait qu'il avait été en contact avec la victime. Ils trouvèrent des particules de verre. Où cela les mènerait-il donc? Des analyses poussées leur permirent de découvrir que le verre recueilli dans le stationnement provenait bien de la voiture de la victime. Si les fragments qui se trouvaient sur la veste de Donahue étaient identiques, on pourrait en conclure qu'ils se trouvaient sur les lieux lorsque la vitre avait été fracassée et la victime tuée. Les résultats furent positifs. Les policiers étaient en mesure de prouver que Donahue s'était trouvé dans le stationnement et peut-être même à bord de la voiture au moment du meurtre. Les traces de pneus étaient le prochain indice à examiner. La victime ne pouvait pas avoir roulé en voiture dans son propre sang. Elle était donc morte dans le stationnement et quelqu'un d'autre qu'elle avait déplacé sa voiture par la suite. En quittant la scène, la voiture a roulé dans la mare de sang de la victime. Le sang a adhéré aux pneus et laissé des traces sur le terrain de stationnement. Peu à peu, les indices épars se complétaient les uns les autres, en partie grâce au travail du photographe Jeff Miller. Le seul élément qui manquait était l'arme du crime. Les analystes examinèrent les projectiles et les douilles trouvées près de la victime et de sa voiture. Une autre douille avait été découverte dans la voiture de Donahue. Les analyses révélèrent que toutes les douilles avaient été tirées à l'aide d'une arme plutôt rare, un pistolet hongrois de 9 mm de marque Frommer, semi-automatique, très populaire lors de la Seconde Guerre mondiale. La forme de l'étui découvert dans la voiture de Donahue correspondait parfaitement à ce type d'arme. Mais l'arme était introuvable. Les policiers examinèrent le secteur, mais ils n'eurent pas de chance. Quant à Donahue, en dépit de son attitude coopérative, il jura ne pas l'avoir en sa possession. Quoi qu'il ait pu faire avec cette arme, il croyait sans doute qu'il ne courait aucun danger. Si nous ne disposions pas de cette arme, nous ne pourrions jamais prouver que c'était lui qui avait fait feu. Mais la preuve la plus concluante était sans contredit la photo de l'empreinte de pas de Donahue prise par Miller. C'était une preuve que n'avait pas prévue Donahue. Le photographe Miller et le détective Guckenberger consolidèrent leur enquête. Les fragments de verre, les douilles, les projectiles et l'empreinte de bottes leur permettaient de prouver hors de tout doute raisonnable que Gary Asa Donahue était l'auteur du meurtre. Les photographies de Miller furent déposées comme pièces à conviction et présentées au grand jury, qui émit par la suite les chefs d'inculpation. Ces indices photographiques permirent d'établir la suite des événements de cette nuit fatale. Je crois que ce qui s'est produit, c'est que M. Donahue roulait en voiture. Il a emprunté la mauvaise rue pour se rendre chez lui, sans doute parce qu'il était ivre. Donahue perdit alors le contrôle de son véhicule, qui dérapa dans le fossé. En colère, il sortit de la voiture et reprit la route à pied pour rentrer chez lui. La victime roulait sur cette même rue. Elle reconnut la voiture pour l'avoir vue depuis plusieurs années. Donahue l'avait achetée à un autre voisin. Elle a peut-être voulu faire une bonne action. Elle s'est arrêtée et lui a offert de monter. Peut-être aussi lui a-t-il demandé d'arrêter, ou encore a-t-il sorti son arme pour l'y obliger. Ils ont roulé jusqu'au stationnement de l'église. Là, quelque chose est arrivé. Nous ignorons exactement quoi. Au cours de l'enquête entourant un homicide, nous ne répondons pas toujours à toutes les questions.
Elle est tombée au sol et gisait sur le dos. Donahue s'est avancé vers elle, il a placé son arme à quelques centimètres de son visage et l'a tuée. Il a ensuite quitté la scène du crime au volant de l'auto de la victime. Puis, pour une raison inconnue, probablement à cause de son état d'ébriété, il a dérapé de nouveau et embouti un arbre. Il a décidé de vider son arme. Il y avait encore une cartouche dans le chargeur. Il l'a éjectée par la vitre de l'auto du côté du conducteur. Elle est tombée sur le sol, tout à côté du véhicule, là où on l'a retrouvée. Pour une raison qu'on ignore, il sortit de la voiture par la portière de droite, laissant ainsi l'empreinte de sa botte dans la neige. Les individus qui tuent par pure méchanceté sont les tueurs les plus dangereux. Il n'avait aucune raison de tuer cette femme. Ce n'était pas le genre de personne qui se met en situation de péril. L'innocence de cette femme lui a coûté la vie. Elle ne s'est pas méfiée lorsqu'elle s'est trouvée en travers de la route de cette bête sauvage. Gary Aza Donahue fut condamné à la prison à vie par un grand jury. La mort gratuite de cette femme dans le stationnement d'une église a profondément choqué la population de cette petite ville paisible. Plus au sud, à Miami, en Floride, les meurtres sont plus fréquents, même s'ils n'en demeurent pas moins choquants. À la morgue de Dade County, en Floride, on voit la mort sous tous ses visages, qu'elle soit naturelle ou non. Les photographes judiciaires de la morgue ont pour tâche de photographier les blessures et les caractéristiques particulières de chaque cadavre. En 1975, la police de Dade County fut appelée à enquêter sur un cas de suicide. Le corps de Jack Sebastian gisait au sol, une carabine de calibre 12 à ses côtés. La procédure veut que l'on prenne des photographies dès qu'il y a décès. La petite amie de la victime déclara qu'elle était à l'extérieur de la maison lorsqu'elle avait entendu la détonation. Sébastien n'avait laissé aucune note d'explication. À la morgue, un des membres de l'équipe eut des doutes en voyant la blessure de Sébastien. Il appela le médecin légiste Jay Barnhart. Ce dernier examina attentivement la blessure et la mesura. Il tira la conclusion préliminaire qu'il ne pouvait pas s'agir d'un suicide. Le coup de feu avait atteint Sébastien entre les deux yeux. Tout autour, il y avait des petites brûlures causées par la poudre explosive expulsée du canon de l'arme. Si Sébastien avait tenu l'arme directement contre sa tête, la poudre n'aurait pas ainsi marqué son visage. Selon Barnhart, il fallait que l'arme fût à une certaine distance du front de Sébastien lorsqu'on avait appuyé sur la détente. Quelque chose clochait et Barnhart était résolu à découvrir de quoi il s'agissait. Le médecin légiste commença par faire photographier les blessures de Sébastien. Ensuite, il radiographia la tête de la victime pour examiner les dommages internes. Sur la radiographie, il put distinguer la trajectoire des plombs. Voici la radiographie qui nous montre la dispersion des plombs dans le crâne. Le point d'entrée se trouve immédiatement au-dessus de l'arête du nez. Si on trace des lignes entre ce point et l'endroit où se trouvent les plombs, on peut constater qu'il se trouve à gauche et sous le point d'entrée. Cela signifie que le coup est venu de plus haut et de la droite de la victime. En
Barnhart devait ensuite vérifier si Sébastien n'avait physiquement pu tenir l'arme selon l'angle indiqué sur la radio. Cela n'eût pas été très facile. Les experts placèrent le fusil dans les mains du cadavre pour vérifier s'il avait pu tirer. Ses doigts atteignaient à peine la détente. Ils tentèrent ensuite de vérifier s'il s'était servi de ses pieds. Il y serait parvenu s'il avait été nu-pied. Mais Sébastien portait des bottes à bout arrondies et il lui aurait donc été impossible d'appuyer sur la détente. Ces analyses peuvent sembler insolites, elles n'en sont pas moins nécessaires. Devant les tribunaux, on doit être prêt à répondre aux questions les plus inattendues. On pouvait nous demander s'il était possible qu'il se soit trouvé dans son lit et qu'il se soit mis le pied par-dessus la tête pour tirer. S'il avait été nu-pied, nous aurions été obligés de répondre oui. Le médecin légiste n'était pas encore satisfait des résultats. Il lui restait à déterminer la distance entre l'arme et Sébastien. Barnhart et son équipe firent des tirs d'essai sur des plaques à des distances variant entre 25 cm et 2 mètres. À 30 cm, la déflagration était assez puissante pour que la plaque se fende. L'impact était énorme. À 60 cm, l'impact était moins important à cause de la plus grande dispersion des plombs. À 1,20 m, le trou était deux fois plus gros puisque les plombs étaient encore plus dispersés. À 1,80 m, on pouvait clairement voir des marques de plomb sur toute la plaque. Ces analyses permirent à Barnhart de conclure que le canon de l'arme se trouvait à une distance minimale de 45 cm de la tête de Sébastien. Quelqu'un d'autre que la victime avait donc appuyé sur la détente. Mais le jury n'arriverait peut-être pas à conclure qu'il s'agissait d'un meurtre avec cette seule analyse. On fit appel au service d'imagerie judiciaire pour illustrer la preuve. Todd Reeves, de Dade County, dirige l'un des meilleurs services d'imagerie aux États-Unis. On y retrouve plus de 1000 mètres carrés d'équipements photographiques ultra sophistiqués. On peut aussi bien y photographier des indices immenses que des éléments de preuve invisibles à l'œil nu. En misant sur la qualité, on peut fournir au jury une meilleure description des choses, une information plus solide. Voilà ce que nous apportons en cours, des faits, pas de la fiction. Tel est le rôle de la photographie judiciaire professionnelle. Toute blessure a son histoire. Dans le cas de Jack Sébastien, les marques autour de la blessure apportaient davantage de détails. Lors d'un coup de feu, le projectile n'est pas le seul élément propulsé hors du canon. Un éclair de feu, une décharge de gaz, un peu de fumée et des étincelles s'en échappent aussi. Chacun de ces éléments laisse des marques. Si le canon se trouve directement contre la cible, tous ces débris pénétreront à l'intérieur de la blessure. Plus le canon est éloigné, plus les débris se disperseront. Sur les photographies prises lors de l'autopsie de Sébastien, on pouvait voir toute une série de points autour de la blessure principale. Il y avait également des blessures sous les yeux, sur le nez et l'une des pommettes de la victime. Ces blessures avaient été causées par l'explosion de la pellicule de plastique qui retenait les plombs. Mais à quelle distance se trouvait l'arme pour que cette pellicule ait le temps d'éclater ainsi? Barnhart espérait que les photographies à haute vitesse de Reeves répondraient à ces questions. Cela permet aux médecins et aux policiers qui enquêtent sur un homicide de voir des choses qu'ils n'auraient pas vues à l'œil nu, des choses qui peuvent atteindre 15 fois la vitesse du son. Grâce à cette technique, on peut voir un projectile dans sa trajectoire. Mieux encore, les enquêteurs peuvent examiner, photogramme par photogramme, les dommages causés par un projectile lors de son impact avec la cible. On peut alors démontrer que tel type de projectile a causé tel genre de blessure. Si les détectives n'ont pas retrouvé l'arme du crime ou le projectile fatal, ces photos peuvent les aider à compléter les identifications. Reeves et Barnhart mirent au point un test pour établir la distance entre la tête de Sébastien et le canon de l'arme qui l'avait tué.
ils installèrent un fusil sur un support parfaitement horizontal. Ensuite, ils mirent en place deux appareils photo le long de la ligne de tir. Lorsque le projectile et les autres éléments quitteraient le canon de l'arme, ils passeraient devant les objectifs qui prendraient alors des clichés. Il était crucial que l'arme soit bien stable lors du coup de feu. Ils chargèrent le fusil du même type de munition que celle qui avait tué Sébastien. Reeves installa ensuite un micro près du canon de l'arme. Ce micro enregistrerait la détonation et activerait un flash. Une règle posée derrière le micro mesurerait la distance parcourue par les projectiles au moment de l'explosion de la pellicule de plastique. Ce flash réagit au demi-millionième de seconde. Il est nécessaire pour la photographie à haute vitesse. Pour obtenir une image nette, Reeves et Barnhart devaient installer l'appareil photo le plus près possible du projectile. Ils devaient donc d'abord déterminer le meilleur endroit pour le placer. Ils effectuèrent leur premier essai à l'aide d'un Polaroid. Le processus de développement rapide leur permettrait de faire des tests avant de placer correctement le deuxième appareil photo. Pour le test en tant que tel, ils utilisèrent un appareil 35 mm et de la pellicule à haute sensibilité. Les experts étaient maintenant prêts à tenter l'expérience. Si tout se déroulait normalement, ils disposeraient bientôt d'une preuve irréfutable. En examinant la photo du projectile et de ses composantes, Barnhart pourrait ensuite établir le moment où la pellicule avait éclaté et blessé Sébastien au visage. Après chaque détonation, Reeves éloignait le microphone du canon de quelques centimètres. Ainsi, le flash serait activé un peu plus tard et le projectile parcourrait une distance plus longue. L'appareil photo pourrait capter le moment de l'éclatement de la capsule. Lors du premier essai, la pellicule de plastique ne s'ouvrit pas. À une distance de 45 cm, la capsule commença à s'ouvrir, libérant ainsi les plombs avant de tomber. À 75 cm, elle eut le temps de s'ouvrir complètement. Barnhart et Reeves étaient parvenus à dresser un plan de la trajectoire du projectile, point par point. En comparant la blessure aux photos, les enquêteurs purent conclure que l'arme était de 45 à 60 cm du visage de Sébastien. Les résultats corroboraient les analyses préliminaires de Barnhart et fournissaient du même coup la preuve que Sébastien ne s'était pas suicidé. Les policiers affrontèrent ensuite Diane Shelton, la petite amie de Sébastien, avec ses preuves. Elle avoua être l'auteur de ce meurtre et fut condamnée à 12 ans d'emprisonnement. La photographie judiciaire a été un outil puissant pour faire la lumière sur cet homicide. Parfois, c'est d'ailleurs le seul outil qui puisse faire la preuve qu'un crime a été commis. Un coroner de Pennsylvanie était convaincu qu'un accident tragique était en fait un massacre. Ses seuls alliés étaient les photos dont il disposait. La photographie judiciaire allait jouer un rôle déterminant dans l'enquête entourant l'incendie dévastateur d'une pension pour gens âgés. Robert Jennings, qui était alors le coroner de Wayne County en Pennsylvanie, mettrait 6 ans à prouver que ces morts n'étaient pas accidentelles. Pendant la majeure partie de sa vie, Jennings a réussi à assumer son rôle de coroner sans négliger sa passion pour la photo. Il est photographe depuis plus de 45 ans. Le drame se produisit au cours de la nuit du 19 octobre 1971. Un incendie tua 15 résidents de la pension Geiger
une maison privée rattachée à une ferme près de Honesdale, en Pennsylvanie. La plupart des victimes furent trouvées mortes dans leur lit. Leur mort avait été causée par l'inhalation de fumée. Quelques-unes d'entre elles avaient rampé au sol avant de mourir. Le coroner Jennings fut dépêché sur les lieux. À l'aide de son appareil photo, il tenta de suivre à la trace l'incendie partout dans le bâtiment, malgré l'obscurité. Il n'y avait pas une minute à perdre. Il se mit au travail en espérant que ses photos lui permettraient de découvrir ce qui avait causé l'incendie. Malheureusement, les photos étaient trop sombres à cause de l'obscurité et la fumée. À contre-cœur, il rentra chez lui et attendit le lever du soleil. Lorsqu'il retourna sur la scène le lendemain matin, la fumée s'était dissipée et il y avait assez de lumière pour prendre de nouvelles photos des décombres. En temps normal, l'obturateur est ouvert à f11. Mais pour ce type de photo judiciaire, il faut l'ouvrir davantage, au moins de 2 crans, afin de capter plus de lumière. Les experts en incendie criminel doivent pouvoir examiner, par exemple, le degré de carbonisation des matériaux et ainsi de suite. Grâce à une technique particulière, il parvint à illustrer clairement les petites écailles noires que le feu avait laissées sur les matériaux. Cet effet ne se retrouve que lorsque les flammes atteignent des températures très élevées. En éclairant les décombres sous plusieurs angles, Jennings photographia les variantes de ces écailles. Plus tard, il pourrait se référer à ces photos pour suivre la progression des flammes. Les traces de brûlures sur les murs indiquaient que le feu avait fait rage dans le couloir. Une section était presque totalement brûlée. À un endroit précis, le brasier avait créé un trou dans le plancher. C'est à cet endroit de la pension que les dégâts étaient les plus importants. Jennings concentra son attention sur ce trou. Il se glissa en dessous et en photographia le pourtour. Normalement, les flammes brûlent de bas en haut, mais ici, elles semblaient être allées du haut vers le bas. Cela signifiait qu'on avait utilisé un agent accélérateur liquide qui avait pénétré le plancher, entraînant les flammes avec lui. Avant que Jennings n'ait terminé son investigation, les policiers donnèrent un compte-rendu de leur enquête. Selon eux, le feu avait débuté dans la buanderie à cause du thermostat défectueux d'une sécheuse. Jennings n'en crut pas un mot. Il allait passer les 6 prochaines années à tenter de réfuter cette conclusion. Les photographies étaient ses seuls indices. Le plafond au-dessus de la sécheuse qui avait présumément été la source de l'incendie était peu abîmé en comparaison du couloir. Les fils électriques de la buanderie étaient intacts. Jennings avait même trouvé des vêtements dans la sécheuse. Plus il regardait ses photos et plus sa conviction grandissait. Il commença à dresser un rapport. Aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, les indices de Jennings sont toujours là pour témoigner, même si la résidence pour personnes âgées n'existe plus depuis fort longtemps. Quelques semaines après l'incendie, ce qui restait de l'immeuble a été démoli. Par conséquent, les indices que j'avais photographiés n'existaient plus. Si je n'avais pas eu ces photos pour les mesurer aux autres indices physiques, il m'aurait été difficile de résoudre ce crime. La police d'État fut impressionnée par les photos de Jennings, mais refusait de conclure qu'il s'agissait d'un incendie criminel. La raison principale de cet entêtement était qu'on ne disposait d'aucun suspect. Si l'incendie avait été allumé délibérément, qui donc avait gratté l'allumette? Les photos de Jennings finiraient par fournir une réponse. Il rencontra l'infirmière Vaudine Lyon, la seule survivante du sinistre.
Elle lui parla d'un de ses patients, Maurice Flynn. Monsieur Flynn était un simple retraité, très timide. Il terminait toutes ses journées en lisant la Bible le soir dans sa chambre à la lueur d'une bougie. Il avait donc été étrange de retrouver le corps de cet homme assis dans la chambre d'un couple. Il était le seul patient absent de sa propre chambre au moment de l'incendie. Il était aussi le seul à être complètement nu. À peine brûlé, il était mort dans une chaise, les jambes et les bras allongés. La chambre de Flynn était à quelques 20 mètres de l'endroit où l'on avait retrouvé son corps. Il ne pouvait pas avoir parcouru cette distance pendant l'incendie. Les flammes et la fumée l'en auraient empêché. Jennings détermina que le brasier s'était déclaré à l'intersection des couloirs. Pour que Flynn puisse se rendre à la chambre du couple, il aurait dû passer à travers les flammes. Si au contraire il avait voulu échapper aux flammes, il aurait pu emprunter la sortie qui se trouvait près de sa chambre et qui était facile à atteindre. À partir des informations obtenues suite à l'analyse de son corps, nous en avons conclu qu'il lui avait été impossible de franchir cette distance et de croiser l'intersection. Il ne se serait pas rendu et on aurait retrouvé son corps carbonisé. Le 8 juin 1972, Robert Jennings fit exhumer le corps du vieillard. Avant de pratiquer l'autopsie, il remarqua que la peau de Flynn était presque rouge cerise, ce qui indiquait qu'il avait été empoisonné au monoxyde de carbone. Lors de l'autopsie, il constata que les tissus de ses poumons avaient absorbé des vapeurs de gasoline peu avant sa mort. L'interrogatoire de l'infirmière Lyon donna d'autres indices. Flynn était le seul pensionnaire qui avait l'autorisation de détenir des allumettes. Il s'en servait pour allumer des bougies lorsqu'il lisait la Bible. Il tondait également la pelouse de la pension, ce qui lui donnait accès à de l'essence. Le jour précédant l'incendie, le comportement de Flynn avait été étrange. Il avait passé sa journée à tempêter et à réciter des versets de la Bible. Tout tournait autour du comportement bizarre de M. Flynn. Pourquoi était-il nu? Au cours de la journée, il a déclaré à l'une des infirmières en service que l'on arrive sur cette terre nu et que l'on en repart de la même façon. Cette affirmation nous hantait parce qu'on avait trouvé son corps nu. Jennings semblait avoir trouvé un suspect. La police d'État refusait quand même de revenir sur sa conclusion. Mais le coroner était tenace. Au début de 1975, Jennings croyait disposer d'assez d'indices pour prouver qu'il y avait eu homicide. Grâce au pouvoir que lui conférait son titre de coroner, il composa un jury de 6 hommes et femmes. Au cours d'un procès de 2 jours, il présenta ses preuves contre la police d'État qui défendait toujours sa position. Le jury trancha en faveur de Jennings. L'incendie était d'origine criminelle et il avait été causé par un suspect encore inconnu. Les enquêteurs devaient maintenant tenter de trouver qui avait causé la mort de ces 15 personnes. On sait maintenant que c'est Flynn qui a allumé cet incendie. Certains ont soutenu que c'était le résultat d'un esprit dérangé. D'autres croient que Flynn et les autres pensionnaires avaient tous accepté de mourir, convaincus que la mort était préférable à la vie dans cette pension. Les éléments qui se rapprochent le plus de la vérité à propos de cet incendie se trouvent sans doute dans les photos de Jennings. Après le verdict, Jennings émit les certificats de décès des résidents de la pension Geiger. 14 homicides et un suicide. Je crois que le jeu en valait la chandelle. C'était mon devoir de représenter les 14 victimes qui avaient payé de leur vie, ainsi que leur famille, bien sûr. La photographie judiciaire est l'arme secrète des nouveaux détectives.
On en parle rarement, mais elle joue un rôle crucial lors de toute enquête criminelle. Grâce à leur équipement sophistiqué, leur détermination et leur ingéniosité, les photographes judiciaires sont les yeux et la mémoire des enquêteurs. Ils sont aussi les avocats des victimes, car ils contribuent à faire inculper des criminels.